Live sur ce live de l'amour, normalement tout se passera bien puisqu'on va être sur Planet Coaster. Alors j'espère, si je fais reprendre, Eranland est toujours vivant. Normalement Eranland est toujours disponible et je suis plutôt content. En plus, avec un jeu comme ça, je devrais plus avoir de soucis pour faire un live tranquille dessus. Donc on verra bien. On va laisser charger. Donc ça charge d'ailleurs. Je vais m'occuper de tweeter le live. Hop. Ok. Tac, 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 tac. Tout va bien. Hop, on va partager ça. Ça. On y est. Salut Schizo. Alors, je suis en train juste de partager le lien du live. Hop, comme ça, ça me permet de pupper le truc. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Super. Je garde ça. Pareil pour Facebook. Nickel. Voilà. Tac, je publie. Voilà, Schizo, là, Luchan. Le retour à Eranland, c'est ça. On y va, on y va, on y va, on y va. Je tweet tout ça, tout team. Hop. Ok. Donc, on se retrouve à Eranland. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques trucs qui avaient changé. Je vous avais pas montré tout ça. J'avais déjà travaillé un petit peu, comme je vous avais dit à l'époque. Donc, j'avais refait un peu tout ce qui était décoration. Voilà, décoration de Eranland, pas trop dégueu, on arrive. Bon, pour l'instant, là, on voit juste les dos du dragon, mais je comptais faire d'autres trucs, un peu plus cool. C'est très fleuri, normalement. On n'a pas de perte d'effet, c'est cool. Allez, enfin, Eranland. On a des nouveaux employés. J'ai caché un petit peu le hall des employés pour qu'ils soient tranquilles. Rappelons-nous de notre premier manège. Hop, les ententes tamponneuses. Souvenez-vous, la guerre avec la chanson des Valkyries. Ah, excellent. Excellent. Là, j'avais fait un petit parc pour les enfants. Un tout petit truc. Je me souviens plus si je l'avais montré en vidéo, celui-là. J'ai un peu décoré, vite fait, voilà. Vite fait, vite fait. Là, il y a un petit peu de décoration. 4 kits de K2000. On va aller voir ça après. J'ai fait un petit parc, là, vite fait. Ou un petit passage, comme il y a souvent dans les parcs d'attractions. Où on peut venir manger et tout. Avec les petits commerces et tout. Et là, il va falloir que je construise. Il va falloir que je fasse pas mal de choses encore. Qu'on comble tout ça. Et du coup, je vais vous montrer une attraction. Je vais t'un peu casser le cul à la faire. Souvenez-vous, dans le deuxième épisode d'Eranland, il y avait cette attraction-là qui manquait de punch. Et donc, du coup, je l'ai un peu modifié. Alors, est-ce qu'on peut rejoindre... hop. Alors, je voudrais une vue de derrière. Voilà. Ça sera mieux parce que sinon on est dans le corps d'un enfant, ça va être compliqué. Et voilà. Et du coup, j'avais fait un petit truc, souvenez-vous, j'avais dit, j'aimerais bien l'histoire d'un petit... un truc de bandit et tout. Donc là, il y avait le coffre au trésor, par exemple, avec des gardes devant. Peut-être que plus loin, on verra un bandit qui vole le trésor. Je ne sais pas, peut-être. Je m'étais un peu emmerdé à faire ça. Enfin, franchement, ça m'avait pris une bonne après-midi. Et c'est vraiment long. Quand on n'est pas habitué au jeu et tout, des bubules. Ouais, ouais, j'adore. Bon, le seul truc, tu vois, j'aimerais bien cacher un peu tout ce qui est... tout ce qui est attraction, mais c'est pas facile de tout cacher. Donc, j'ai fait des massifs. Histoire qu'on passe un peu, voilà. Moi, c'est calme au début. Hein. Au début, c'est calme, on tombe tranquille et tout. D'ailleurs, vous voyez, le dessus, là, c'est très mal fait, puisqu'on voit encore les poutres. Il faudra que je trouve un moyen de changer ça. Mais c'est plutôt cool. Là, je voulais mettre des sortes de poussières qui tombent un peu sur les gens. Donc, ça prend un peu de vitesse. Là, il me semblait... Ah ouais, ici. Là, il y avait un voleur avec le trésor. Je m'étais un peu cassé le cul. Et après, je crois qu'il y a la grande montée. Je sais pas si on la voit. Je peux pas changer. Je peux pas aller sur eux, là-haut. Non, je peux pas. C'est chiant, ça.
Le gamin devant il voit rien. Ah bah non, la vision du gamin c'est ça. Hein. Ah quelle joie! Une joie et allégresse. Hop. Et tant pis, hein. Écoutez, c'est comme ça. Merde, ça lag. Ah merde. Désolé pour les insultes. C'est pas grave, c'est pas grave. Et donc une fois en haut, que là j'ai plus rien faire en fait. J'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de vitesse. Vous avez un peu comme un envol de quelque chose, mais bon c'est des bûches quoi, ils vont pas aller à 200 km/h non plus. Et là je trouvais ça plutôt cool, il y a un peu de risque, tu vois, le gamin il tombe, il meurt, bon bah ça c'est rigolo. Il y avait ça qui était déjà préfet, des petites maisons de sorcières là, que je trouvais pas dégueu. Voilà. Et genre on allait rentrer dans la caverne de la sorcière, alors ce qui avait aucun rapport avec le trésor. Hein. Je vous le concède, hein. Là, je vous le concède. Et là, normalement, il y a de la poussière qui va leur tomber dessus quand ils vont passer. Voilà. C'est pas ouf. L'effet n'est pas été aussi ouf que prévu. Et on passe dans le tunnel. Voilà, on est content, on est content. Hop là, voilà, super. Voilà à quoi ressemblait l'attraction. Tu te dévergondes, Lulu. Ah. Ok. Ça, c'est bon. Et donc là, on avait Kit de K2000. Vite, attends. Attendez-moi. Ça va très vite, hein. Putain, normalement, il y a les flammes et tout. Explosion, ah là là. Et normalement, il y a la musique de K2000, mais là, ça fonctionne pas, c'est bizarre. Faudrait que je vois... Souvent, il y a des chansons qui n'existent plus. Et ouais, c'est plutôt cool, hein. Bon, ça va très vite, hein. Ça a enflammé tout le touti, mais moi je trouvais ça pas dégueu. Pas dégueu du tout. Voilà où on en était sur Ironland actuellement. Donc j'ai déjà deux grosses attractions, quoi. J'ai déjà deux grosses attractions. Donc là, le but aujourd'hui, c'est d'agrandir un peu le touti. Hein. On va faire quelque chose derrière, là. On va déjà remplir cette zone-là. Comme ça. Ça va être un peu la zone perdue. C'est un peu la zone perdue du parc. Mais plan montagne russe. Allez, voilà, c'est ça que je veux. C'était lesquels qu'on connaît, nous. Je crois que c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Celle-là. Ah, très bien. Est-ce qu'on peut on fait une grande allée? Bon, je pense qu'on est obligé de faire une grande allée. Ok. Ok, on va aller jusque-là. On va tourner. Alors le but, ça va être de mettre des trucs autour de tout ça. Hein. Voilà. Alors si ça veut bien tourner. C'est dur de faire un rond avec ce machin, je vous jure. On peut faire ça. Voilà. Ok, très bien. Donc les routes, c'est bon. On va déjà remplir comme ça. Le but, c'est que derrière, donc on va peut-être mettre des boutiques. Service, toilette. Ça, c'est quoi ça? Entrée du parc? Ah putain! Entrée de château, conte de fées. Je pourrais mettre ça en vrai. Ah ouais, c'est grand! Ah mais c'est grand de ouf! Comment je vais tourner ça moi? Comment je tourne déjà? Ah oui, comme ça. C'est grand de ouf! Je peux mettre ça là? Vous pensez? Je sais pas si je vais pouvoir le mettre. Hein. Il est vachement grand en vrai. Je sais pas. C'est beaucoup trop grand ce machin. Où est-ce que je vais le mettre? Yo Nico! On va le mettre là au pire. On va se faire un délire, genre c'est le château au loin. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je vois pas d'autre solution. Hein. Attends mon coco, avant de faire ça, du coup on va continuer ton aller. Histoire que ça aille quelque part par la suite quoi. Je m'en vais, Schizo, il est pas gentil avec moi. Oh, Schizo, tu arrêtes. Hein. Donc, je disais, montagne russe, boutique service, entrée du parc. Donc, c'était ça qu'on voulait, nous. Regardez comme c'est beau. Ce qu'on voit dans The Witcher. Alors, tac. Comment on est, là? On est pas dégueu, non? Ah, si, on est pas bien du tout. C'est dur de se mettre bien droit, là. Ouais, comme ça. Là, je pense qu'on est pas mal. Ok, maintenant, faut qu'on enfonce un peu le machin. Alors, attendez. Comment je vais prendre toute la structure? Ah, ils voudront pas que je prenne toute la structure, c'est con. Alors. Mes plans, machin, mes trucs. Personnaliser. Non, je veux pas personnaliser. Comment je faisais? Je suis tout perdu, moi, maintenant. Section multiple.
Ah, c'est bon ça. Ça, c'est très très bon. Hop, comme ça, l'axe va le descendre. Un tout petit peu. Qui touche le sol au moins. Voilà. Ok, on valide. Alors, attendez, hein, on va essayer de faire ça bien. Ensuite, c'est ces plateformes-là qu'il faut que je descende. Voilà, on les cache dans la terre. Soit ils se lèvent. Pas aussi bas, pas aussi bas. Ah, pas facile, pas facile, pas facile. Faut bien que les pieds soient bien mis. Voilà, on a l'air pas mal. Hop là. Alors, c'est un peu mieux là. C'est un peu mieux. On va pas se plaindre. Ok. Ah, les arbres par contre. On l'avait pas vu, mais regardez, les arbres volent. Parce qu'ils ont apparemment été méchants. Arrête d'être méchant. Pouf. Ok. Pareil pour lui. Non, c'est pas lui que je veux. Sélectionne-moi celui-ci, voilà. Hop, tech. C'est quoi ça? Alors c'est X, ok. Donc si je veux aller plus vite, c'est tech, tech. Hop. Tech, ok. Merde. Flûte. Tech, ok. Ok, deck. Donc là, on n'est pas trop mal. Il y a encore les deux passes avant. Regardez, regardez, elles volent, les machines. Elles volent, on leur a rien demandé, elles volent. Est-ce que c'est beaucoup, ça? Ça a pas l'air de toucher, en vrai. Pourtant que ça soit un peu plus dans la terre. Ah, mais il y a la barre aussi, là. Attends, mais il y a tout à bouger, c'est abusé. Ça, j'ai rien dit. Ah, mais Luchan a peut-être des problèmes de co aussi, pour ça. Attendez, est-ce que je peux sélectionner? On va tenter un truc. Je veux juste que tu me sélectionnes ça. Voilà. Ok. Et tu me descends le tout? Ah, super. Bien joué, Makai. Ça, c'est pas mal du tout. Ah, scrané. Et là, donc, on descend juste ça après. Un tout petit peu plus. Voilà. Eh ben, c'est pas trop mal. Hop, 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 hop. C'est pas trop mal cette entrée là. Hein? Moi j'aime bien. Ok. Bon, sinon c'était pas là qu'on devait commencer. Hein. C'était pas là qu'on devait aller à Eradland. On devait se concentrer sur cette partie là, nous. Ici, donc, nous allons mettre un boutique et service. C'est ça que je voulais. Plan récent, nourriture. On va mettre des retraits des dabs. On peut pas les lier à une route. Ah si, comme ça. C'est dans le sens. Voilà. Super. Ensuite, on va mettre un truc de secours. Parce que c'est important de pouvoir secourir les gens. Quitte à en avoir plusieurs. Nickel. On m'accuse gratuitement, je me sens triste. Mais non, je ne me sens pas triste. Ne te sens pas triste. Hop, là-dessus. On va mettre des toilettes. Est-ce qu'on met les belles... Ouh, ça c'est de la belle toilette. J'avais oublié ce machin. C'est énorme. C'est énorme, 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 énorme. Je sais même pas où le mettre ce machin. Et comment ça se passe? Où sont les toilettes d'ailleurs? Vous vous rendez compte un peu de la taille du machin? La taille de bousin, toi? Paye ton bousin. Allô? Ok. Je peux pas le placer en vrai. Comment je le place? Je pourrais pas le placer ce machin. Je sais pas comment le placer. Mais il est énorme, je le veux. Tant pis. Oublions-le. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? Montagne russe. Mes plans, attraction. Ah, mes plans. J'avais déjà téléchargé quelque chose. Cascade naturelle. Ah, pas dégueu ça. Pas dégueu du tout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça va mettre un peu de cachet dans ce coin-là. Là. Ouais. Alors, si ça veut bien se mettre la caméra, s'il vous plaît. Ça serait super. Voilà. Et ici, je pense qu'on pourrait se faire un truc comme ça. Et ça, on va l'enfoncer dans le sol. Ah. Alors, le truc, c'est que je voudrais bien qu'ils prennent tout.
Est-ce que tu vas bien vouloir te me prendre tout ça, toi? Non, pas là. Ok, juste ça. Ensuite, tac, tu me descends le tout. Quitte à mettre quelques armes dans le mur. Mais ouais, c'est pas trop dégueu, ça. Ça va pas trop mal, en plus. Hop. Qu'est-ce que c'était alors que j'ai bougé, là? Ah, c'est un spot. Ouais, je sais pas. Plusieurs boutiques n'ont pas de vendeur, mais recruter! Ah, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Incroyable! Ah, j'ai plus de vendeur, qu'est-ce qui se passe? Après, je m'en fous, je suis en illimité. Mais les mecs, je comprends pas, ils ont du boulot et tout, ils viennent se plaindre, quoi. Qu'est-ce qui se passe, les enfants, quoi? Je vais vous en mettre des employés, moi, y a pas de souci, hein. Alors, il y en a peut-être trop, c'est ça? Bah après, ça a l'air de passer, quoi. Ouais, il y a des gens au comptoir. Ah, là, y a personne! Oh là là! Ils cherchent un vendeur! Ah, les salauds! Tac, tac, tac. Rue Luchan. Rue. Alors, où c'est? Bâtiment, mes plans, gestion du parc. Gestion du parc, employé. Tiens, ma chère vendeuse, va bosser un peu, là. Toi aussi, va bosser. Allez, prenons les employés. Allez bosser, bande de trous du cul. Incroyable. Ils écoutent rien. Il y en a qui donnent leur démission, il y en a d'autres qui rentrent. Tant pis, hein, moi je peux en poser plein des employés, y a pas de soucis. Hein. Voilà. Hein. Comme ça vous fera les pieds, hein, les autres vendeurs. Si vous n'êtes pas content, il y a des remplaçants. C'était une blague. Y a pas de soucis, Miss, y a pas de soucis. Alors. Du coup, comment on va habiller notre endroit là? Est-ce qu'on a une petite attraction? Genre, vous savez, un petit truc tout mignon, tout je sais pas quoi, quoi. Un truc que les gamins raffolent là. Qu'est-ce qui raffole les gamins? Ça c'est quoi? Ah, elle a l'air pas dégueu cette attraction. Regardez-moi ce machin. Ça a l'air d'être des Dumbo volants, non? N'est-ce pas? Ça a l'air merveilleux ce truc là. Ah, moi je serais un gamin, j'adorerais y aller. Alors, donc, on va le mettre là. Comment on va le mettre? Au pire, on va se rapprocher comme ça. Tac! Nickel, maintenant on va placer l'entrée. L'entrée se situera ici. Histoire de casser les couilles aux gens et de se dire, ah non, attendez. Direct ici. Comme ça. Ensuite, on va placer la sortie. La sortie sera ici. Hop là. Voilà. On va relier l'allée. Tac, tac. J'aime bien leur faire faire des zigzags, vous le savez. Bien sûr, tout ce terrain peut être. Bien sûr, tout ce terrain peut être terminé très facilement. Et non. Voilà. Super. Tu m'as déçu. Pourquoi? À vous faire confiance entre vous? Oh, faites-vous confiance. Ah, scrénéneux. Alors donc, cette magnifique attraction, comment ça fonctionne? Voyons voir. Allez hop, testons là. Protein! Merci Manon 59. Bienvenue à toi et merci pour ton follow. D'accord. Donc ça, je pense qu'il serait top. C'est que je fasse une montagne autour. Parce qu'en fait, ça va faire une sorte de caverne où dedans, on pourrait mettre des lumières. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour essayer, non? Moi, je trouve que ça pourrait être bien stylé. Il y a un petit côté maléfique et tout. Moi, j'aime bien le concept. Attendez, attendez. Environnement. Terrain, voilà, c'est ça que je voulais. Alors, moi, ce que je voudrais maintenant, déjà, c'est que tu me gonfles un peu tout ça. Hop là, hop là, hop là. Alors, vous allez voir, ça va vite monter. Ça va vite grimper. On va faire un beau truc qui passe bien au-dessus. Alors, il va tout rond pour l'instant, hein, mais. Je suis pas drôle en ce moment, j'ai plus trop la forme, je fais un peu de la merde en ce moment. Mais non. Ne t'inquiète pas. Ça arrive à tout le monde, il y a des périodes comme ça. Arrête de bouger. Ah! Pas facile la modélisation sur ce jeu. Allez, viens. Viens, Mekai. Allez, ça commence à se faire. Un vol a été signalé. Bah, démerdez-vous. Putain, il y a une sécurité. Ils font rien, les mecs. Ils font rien. Il faut tout que je fasse. Allez! Tic, 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 tic. Et on ferme ça comme une caverne. Il y a déjà un air, vous voyez, un peu plus méchant. Ah,
Que se passe-t-il là? Voilà. Alors le but, ça va être de faire ça. On va créer une grosse structure au-dessus. Hein. Moi, perso, je rentrerai jamais dans un terrain comme ça. Mais bon, ça se fait. Alors le but, c'est que je fasse une grosse masse. Plus j'ai de masse, mieux c'est. Voilà. Et dedans, normalement, si je peux gérer bien correctement, je peux creuser. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est fort. Alors attendez. Voilà. Hop, hop. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal comme ça. T'en fais pas, c'est rien. Oh. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Alors, maintenant que ça s'est fait, cette attraction est-elle testée? Interrompre les tests. Pas du tout. Elle n'est pas finie hein, au niveau des tests. Ça va durer combien de temps? Ça se trouve, c'est buggé les tests en vrai. Hein. Au pire, aux F. Hein. Allez, on ouvre. Ça va être bien. Les gens vont être contents. Contents, les gens. Allez, venez, il y a une nouvelle attraction. Vous allez vous amuser. Viens donc t'amuser dans la caverne. Où il va falloir que je rajoute des éléments de lumière. Parce que sinon, ça va être chaud. Ok. Ah, qu'est-ce qu'on va mettre comme élément de lumière, les enfants? Environnement. Effet, séquenceur, écran audio. Audio, lumière. Ah non, ça c'est vidéo. On peut mettre de la vidéosurveillance déjà. La vidéosurveillance, c'est important. Voilà. C'est Gridou. Bien le bonjour, Eran Land, aux elfes de la sécurité. Mais je m'en fous pas de la sécurité, c'est juste que voilà, les gens ils sont. Bah, j'ai des gardes quoi, il y a des gens qui s'en occupent normalement de la sécurité. Donc j'ai rien à faire de ce côté-là normalement. Qu'est-ce que je voulais? Où sont les lumières? Effets spéciaux, machin, son, forme, extra, éclairage. Ah, attendez. Éclairage, qu'est-ce que je pourrais mettre? Si je fais ça, ça fait quoi? Ah, de la lumière blanche classique? C'est un peu nul ça, non? C'est tout ce que j'ai comme projecteur. C'est pas ouf du tout. C'est pas ouf du tout même. Je peux en mettre un là comme ça. Ah mais s'il y a la lumière du jour qui se lève en même temps que je fais les projecteurs, on est mal barré. C'est pas moi qui le dis. Hop. Parce que j'ai l'impression que plus il y aura de projecteurs, mieux ce sera. Mais par contre, je saurais pas comment les mettre. Comment ça va? Ça va très bien, Guido. Je galère un peu, mais ça va très bien sinon. Il y a des gens qui sont rentrés dedans? Je crois pas. Hein. Si? Il y a des gens dedans? Et ça a l'air comment dedans? Voyons voir. Ouais, d'accord. Ouais, c'est pas hyper fun, hein. C'est pas hyper fun. Mais je suis. Y a quelqu'un ou pas? Ah non, c'est vraiment. Il y a des fantômes. Waouh, ça fait peur, il y a des fantômes. Alors. Très bien, maintenant il faut de la consommation. Parce que c'est important. Eran Land ne vit pas sans les profits des petites structures. Toilettes pirates, non. Villa toilette. Pourquoi tu mets des toilettes? Les souvenirs, mais ouais, les souvenirs, c'est marrant les souvenirs. J'aime bien les souvenirs. Tiens, on va te mettre une petite auberge à souvenirs ici. Hop, nickel. Comme ça, les gens, consommer. Ok. Il faut que je les attire, les gens. Là, ça peut être un coin un peu plus ouvert. Ouais, voilà. Genre ça, comme ça. Je peux pas le mettre? Sérieux? Oh non. T'es tellement bien. C'est dommage, je peux pas le mettre. Pourquoi? Ah, attendez. Ok, il veut pas. 2 minutes à regarder les fesses d'un effet, quel gros joueur. Ouais, ouais, c'est ça, c'est beau. C'est beau, tu trouves? Moi, je trouve ça pas ouf, en vrai. Là, je commence à me perdre un peu. Et le problème, c'est que je trouve que je manque d'éléments. Je manque énormément d'éléments. Il faudrait que je télécharge plus de trucs. Bon, après, ça se construit quand même. Hein. Afficher visiteur. Qu'est-ce qui se passe? Besoin de visiteurs. On m'a volé mon argent. J'ai rien senti. Il vous faut de la sécurité? Très bien. Oui, de la sécurité. Agent de sécurité, au rapport. J'en prends plusieurs. Allez, les Terminators. On y va. Vous m'arrêtez tous les malfrats. Hein. Vous me les coincez de type méchant. Hein.
C'est beau, les fesses. Ah, les fesses, c'est beau, d'accord. Pardon. Alors. En ce coin-là, en vrai, je l'aime pas. Ça va être un peu de coin pourri. En plus, y a personne qui vient. Pourquoi personne ne vient? Venez! Pourquoi les gens ne viennent pas? Je ne comprends pas. Une attraction pareille, ça ne peut qu'attirer. Ah, ou attendez. Il faut que j'arrive à les amadouer avec quelque chose de gros à côté. Genre le truc que tout le monde voudra faire. Qu'est-ce qui pourrait être cool comme ça? Qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Ouh là là. Ah. Là, on est sur quelque chose de quand même très très grand. Il faut reconnaître que là, il y a peut-être une anguille sous roche. Je ne saurais comment le mettre. Il est tellement grand. C'est n'importe quoi. Le cowboy, qu'est-ce que c'est que ce machin aussi? Oh là là, oh là là. Oh là là. Comment je vais le mettre ce machin aussi? C'est impossible. Impossible. Je pense qu'il faudra quelque chose de plus petit. Oh, une nouvelle attraction. Plus petite. Trouvons une petite attraction. C'est Camus. Bien nettoyé. Comment ça va, Camus? Hop, on va tourner ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, une grande roue? C'est pas dégueu, une grande roue? C'est cool, les grandes roues. On aime bien les grandes roues. Qui n'aime pas les grandes roues? Hop, on va mettre une entrée ici. Ici, nickel. Placer la sortie. La sortie, elle sera juste devant. Super. Ce qui est totalement par accord, parce que les gens se diraient... Ah ben non, attends, Eran. Pourquoi on doit passer par là? C'est pas normal. Non mais allô? Hop! Voilà. Allez hop, pas le temps de niaiser, ça fonctionne. Elle est ouverte. Elle est très bien, cette roue, en plus. Ça va bien, et toi, Eran? Ça va très bien. Ça va très très bien. Comme tu veux voir, je gère mon parc, là, je gueule sur les gens. Ah! Regardez, des clients. Oh, la belle beba. Regardez la belle beba, on dirait un gridou blond. C'est fou. Attendez. Non, pas du tout. J'ai cru que c'était gridou pendant le jour. Pas du tout. Oula, oula. T'as un sacré nez, toi. T'as des petits yeux, hein, ça fait bizarre. Toi, t'as dû forcer sur la cocaïne. C'est pas très bon, la poudre maïzena, attention. Alors, on va passer par là. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va décorer, je pense. On va décorer, c'est très beau ici. Moi, je trouve que c'est beau. Sans déconner, je me sens talentueux. J'ai arrêté de dire des conneries. Effets spéciaux. De la brume modérée. Et si on a genre brume importante, ça fait beaucoup de brume, genre violent. Parce que ça pourrait être marrant de la brume, non? Moi j'aime bien la brume. Où est-ce que je vais cacher de la brume aussi? Pam 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 pam. Ça fait que de la brume là. Ah, faudrait que je fasse de la brume partout comme ça. Ah, ça va être le bordel. Fumée. Ah, de la fumée, c'est cool la fumée. J'aime bien la fumée. On va étouffer tout le monde comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on va mettre ça. Hop, tac, ici. Tac, là. Tac, là. Bon, je sais pas si on les cache. Ça va leur faire peur aux gens. Ils vont avoir peur, ils vont se dire « Ah, de la fumée !» Incroyable. Non, je pense pas que ça fasse vraiment peur. Après, techniquement, là, ça se voit peut-être un peu, mais je m'en bats un peu la race de où c'est mis. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est de s'amuser. Et ça, c'est rigolo. Du courage, Lucien. Moi, je n'aime pas les grandes roues. Tu n'aimes pas les grandes roues? Pourquoi? Parce que les nacelles bougent et ça? Peut-être ça, hein, c'est possible. Parce que là, bon, tu vois, c'est plutôt safe, non? Mettons-nous à la place de quelqu'un. Oh là là, oh là là. Que c'est haut, que c'est haut. Nani kolewa koleda. Que se passe-t-il? Alors ça, c'est chiant parce que du coup, je peux pas me retourner. Ah, attendez. Ah. Bon, en fait, la vue est pas ouf. Quoique, c'est plus en haut, c'est toujours en haut que c'est impressionnant. Quand on arrive en haut, on se dit, ah putain, t'as vu, là-bas, il y a un moteur qui fait tourner machin. Non, pas du tout. Ah ouais, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas dégueu. Ouais, bon, pas ouf, hein. Là, on est vraiment sur des trucs pas ouf, hein. Mais bon, c'est un peu un coin pourri. J'ai pas fini, faut que je remplisse tout ça. Les gens vont finir à fixer, ça va être marrant. Alors, tac, 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 nature. Nature, nature, nature. Que nous donnes-tu, Sainte-Mère Nature? Hop, on va faire un coin automne ici, hein. Un coin plus automne. Tac. On aime les arbres, c'est important, les arbres. Tac, 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 tac.
Vous avez vu, hein, ça marche bien comme ça. On va fermer ce coin-là, de toute façon, il y a toujours un coin de forêt dans... Hop, tac, tac, tac. Vous croyez qu'ils font comment les développeurs de jeux vidéo, hein? Obstruction, ah! Ok, on a une petite forêt là. On va faire une forêt là. Voilà. Un peu de couleur. Allez hop, un peu de couleur. Tac. Quand on a vertige, la grande route, c'est pas terrible. Ouah, wow, je m'embrouille. T'embrouilles? Pas de soucis. Ok. Donc ici, on arrive, petit coin de forêt et tout, machin. Ah, les gens ont l'air contents, ils courent. Hein. Et comment ça se fait que j'ai pas plus de monde que ça? Faudrait que je triche. Faudrait que la ligne principale arrive à rejoindre ici. À votre avis, si je mets un petit chemin secret, là, faudrait que ça passe. Une petite allée secrète. Vraiment, un petit truc naturel. Ah ouais, petit truc naturel de ouf. Ah, elle va pas faire 10 mètres, ça c'est sûr. Je crois que ça marche. Je crois que ça marche de ouf. Attends, comment je passe? Hop. Non, alors surtout pas. Voilà. Tac. Et là, petit chemin secret. Ah, mais ça, c'est pas mal du tout, Eran. Ça, c'est pas con, en plus. De ouf. Les gens, ils vont dire, tiens, il y a peut-être un truc. Et là, on va l'éclairer. On va faire un truc stylé, vous allez voir. On dirait l'automne. Mais ouais, trop. Petit bâtiment. Non, je veux pas des petits bâtiments. Montagne russe, non. Environnement, non. Oui. Ah, vous voyez, les gens passent. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Ça marche bien, ça veut dire ça. Ça, c'est très bon signe. Ah non, ça, c'est pour l'eau, ça. Hop, là, je vais mettre un petit buisson comme ça. Ça me fait plaisir, je l'aime bien, celui-là. Allez, hop. Tac, 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 tac. Effets spéciaux, lumière. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ah, ça, c'est bien comme lumière. J'aime bien ça. Ah, c'est pas assez grand. Bon, on va dire ça passe. On va dire que ça passe. Ouais, comme ça. Eh, les gens viennent, hein. Les gens, ils passent de ouf. Je suis content. Vous savez, quand on est professionnel dans le métier, on est content de voir que les attractions, les structures, ça fonctionne et que les gens apprécient. Ok. Comme ça, notre petit chemin secret, eh ben, il est pas trop secret parce que tout le monde le prend. Mais ça va attirer du monde et le monde arrive. Et ça, c'est bon signe. Et c'est là, maintenant, tout de suite, qu'on va faire une petite structure. Alors je mets des lampadaires, hein, parce que ça simplifie quelque peu certaines choses. C'est important que les gens se sentent en sécurité quand même. Et puis qu'ils puissent marcher pépère, quoi. Hop, tac, voilà. Je pense que ça manque de lumière, la nuit. C'est peut-être pour ça que les gens galèrent. Faut que je trouve plus d'alternatives à ça. Allez, je peux mettre des phares de bagnole, mais ça marchera pas. Les guirlandes non plus. Non, les guirlandes, ça marche pas. Ah, ça, ça marche très bien. Ça, ça marche de ouf. Je peux en mettre partout, ça. C'est sympa, le petit chemin secret. Ah, t'as vu, hein? Ah, on y pense à ce genre de choses, hein, mais... hop. Des fois, j'ai l'impression qu'il se pose pas sur le sol. Voilà. Hop. Allez, bon courage, hein. Voilà. Le principal, c'est que les gens voient un petit peu où ils vont. Eh, pas stylé, ça? Non, c'est dégueu. J'avoue, c'est dégueu. Mais ça passe encore. On va mettre des lumières, hein, moi, je vous le dis. Eh, le petit truc secret, on met une lumière cachée dans la forêt. Comme ça, ça fait flipper. Les gens se posent la question, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Hop, ici, ça va être bien. On éclaire, hein. On éclaire, on éclaire, on éclaire.
Ah, c'est important. Il faut penser à ce genre de choses. Petit lampadaire. Non, il est moche. Ah, il est vraiment très moche. J'aime pas du tout. Ah, petite lumière dans la fontaine, vous croyez qu'on peut? Ah, ça va être trop. Elle va être trop énorme, celle-là. J'ai l'impression que ça va pas le faire si je mets ça. Ouais, je suis pas sûr que ça le fasse. Par contre, si je mets un phare. Non, je suis pas sûr que ça fonctionne non plus. Je sais pas, je cherche une solution. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah, petit projecteur de lumière. Ça marcherait, ça, non? Peut-être, je sais pas. On va en mettre deux. Voilà, comme ça. C'est vrai, là, si tu faisais l'impression où il y aurait du feu en guise de lumière pour éclairer le lieu. Que du feu! Ah, ça, c'est un beau défi, ça. Où est-ce qu'on va le faire? Une attraction avec que du feu. Genre des flammes partout, les flammes de Dune. Parce qu'en fait, celui-là, je vous ai peut-être pas montré correctement. Hein. Et regardez l'entrée de la grotte sur K2000. C'est pas ouf? Trop bien, non? Des lance-flammes et tout. Donc, bien sûr, je pourrais les connecter pour qu'ils s'allument à chaque fois qu'on passe. Mais je trouvais ça encore plus dark, le côté explosion. Comme ça, normalement, t'arrives, tu redescends. Explosion en bas. Bon, elle a pété un peu à trop avant. Mais voilà. Tintintin. Ça marche bien, non? Pourquoi tu t'embrouilles, Schizo? Il s'embrouille pas, Schizo, il est bait. Il est bait, il fait le bait. Ok. Donc, le but, ça va être de créer une attraction avec du feu de Dieu. Un genre le truc qui fait tout péter. Donc il nous faut un truc de ouf. Montagne russe, je sais pas si ça vaut le coup en vrai. Je sais pas si c'est montagne russe qu'il nous faudrait. Quelque chose de violent, avec des flammes et tout. Quoique si, c'est peut-être les montagnes russes. Je vois pas d'autre solution. Je sais pas ce que je pourrais mettre. Ça a l'air pas mal ça. Ça ressemble à un château, non? Ouais, trop en plus. Ça, je pourrais construire une super structure à côté. Et ouais, il y a peut-être moyen, non? Il y a peut-être grave moyen. Ah, celle-là, je l'aime bien. Elle était où? C'était à quelle? Je ne sais plus. Super, je l'ai bien perdu. Ah bah bravo, Yann. On trouve des bonnes attractions, on les perd juste derrière. Ouais, ça, c'est bien, ça. Stylé, la grotte. Ah, tu vois? Des flammes, des flammes, des flammes. Du coup, j'ai perdu mon truc. Ouais. Super. Où est-il? Jacqueline Hacker, vendeur, a donné sa démission. Bah tant pis! Et je sais pas pourquoi, ils donnent tous leur démission. Ils sont payés, les machins. Il me semble qu'ils sont payés en plus. Gestion du parc. Visiteur, employé, d'accord. Il y a quelque chose à gérer en plus. Niveau de formation. Bah, je sais pas, on les paye. De toute façon, je suis limité. Allez, 152 000. Je peux pas plus de 2 000. Et bah voilà, tout le monde a 2 000. Hop là. Tac. Ils ont pas intérêt à gueuler. Hein. Là, les mecs, ils pourraient créer leur parc d'attractions tout seul après, quoi. C'est bon. Je peux pas faire plus de ça? Ok. J'aurais peut-être un peu trop, en vrai. Tac. Vous vous rendez compte comment je les paye? Eh, je suis un bon patron. Hein. Le mec, il a facilité à tout. Luc, de la garde. Allez hop, tac, Luc. Toi aussi, 2000, t'es augmenté. Hop, il se promène. Comment ça, il se promène? Il se promène, et bah lui, il aura que 1995 euros. Voilà. Bien fait pour sa faute. Tac, 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 tac. Affectation. Ils ont pas intérêt à être mécontents après ça. Hein. Je leur fais tous des formations, là. Allez, on bosse, hein. Je vous augmente tous, vous n'allez pas m'emmerder. Hein. Ça va, je suis ici. Allez hop! Au boule boule! Alors, tac tac tac, groupe d'adolescents, ok, machin et tout. Ok, on s'en fout. Je bug trop sur Twitch. Ah, je suis désolé. Je suis désolé. Le château de Witcher fait un peu vide au milieu de rien. Ouais, non, mais alors, le château là, pour l'instant, c'est juste une entrée. Ça va nous permettre après de faire quelque chose de bien, je pense. On va essayer de faire. On continue le truc. Je sais pas comment on va faire. Mais pour l'instant, ça délimite l'entrée du parc. On va dire que là, c'est là où on a commencé. Et ensuite, il y aura quelque chose d'autre énorme ici. Vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais faire un truc de ouf. Là, genre, je pourrais faire une grosse rivière de ouf. Je sais pas. Avec des batailles de soldats. Je sais pas. Je pourrais faire un truc cool, quoi. Pour être marrant.
Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'on est vachement limité quand même. Il y a beaucoup d'objets, il faut s'en rendre compte, il y a énormément de petits objets qui fonctionnent ensemble et tout. Mais t'es vite limité en fait dans ce que tu fais. Donc voilà. Donc voilà. Après, voilà, c'est peut-être pour ça que j'avais quelques réticences à refaire un Eran Land 3 sur la chaîne. Parce que j'ai peur de tourner en rond. Parce que là, vous voyez, je vais essayer de faire l'attraction comme on a dit, avec du feu partout. Mais après, c'est pas que je manque d'inspi, c'est que je manque d'éléments, j'ai l'impression. Et comme je sais pas les créer. Ah voilà, ça on l'a retrouvé. Comme je sais pas les créer, c'est chiant. Hop. Si on la met là, comme ça. Ça, on n'a pas le choix. Ouais. Comme ça. Ok. Ok, très bien. Donc là, maintenant, le but. Comment ça fonctionne, ce machin? On va déjà le relier, c'est ça? Placer l'entrée. Ok. Ici. Très bien. Placer la sortie. Ah, mais la sortie est méga loin. C'est embêtant. Supprimer la sortie, peut-être. Je sais pas. Ce qu'on va faire, déjà, on va la relier à une allée. On va lui mettre une belle allée. Hop. Tac, 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 tac. Tac, tac. Voilà. Ça, c'est bon. Ok. Maintenant, on va faire. Tac. C'est ça que je veux. Rallier l'entrée. Alors, est-ce que tu peux l'agrandir un peu? Ok. Et tac. Voilà, ça ressemble à rien comme entrée, mais ça passe, on va dire. Avec le chemin. Enfin voilà. Donc ça, c'est mon entrée pour la grosse attraction. Maintenant, se déroule la construction de la montagne tout toutine. Donc on va faire environnement. Où est-elle? Environnement. Ah bah non, c'est là, c'est terrain. Pardon. C'est terrain. Hop, on va monter ça. Tant pis si on pète un peu la tour. Le but étant de cacher déjà un peu le plus gros du poteau. Vous voyez ce que je veux dire? Le plus relou, quoi. Celui qu'on voit tout le temps. Hop, voilà. Tac, 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 tac. Alors, si ça veut bien me remettre là où je voulais. Voilà. Là, on pourrait faire quelque chose, tu vois, avec des flammes. Ça, on peut le faire. Il n'y a pas de souci. Je vais tenter quelque chose, d'ailleurs. Si je ferme tout. Je suis pas sûr que ça passe en vrai. Hein. Peut-être un peu chaud. Essayez. Hein. Hop, tac. Oula. Dans quoi je m'engage? Ça m'a l'air compliqué, hein. Moi, ça remplit l'espace. Et ça, on peut ne l'en vouloir à personne. Tac, 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 tac. Ah ouais, pas mal ça. Peut-être vraiment moyen de se faire quelque chose de cool. Ça, j'aime bien. On dirait un cœur, c'est merveilleux. Il y a un petit côté romantique à cette attraction. Hop! On a tout fermé. Tu es une experte en quelle matière, pardon? Ah, pour Twitch. Ah, oui. Je suis vraiment désolé, hein, sincèrement. Mais là, moi, à part devenir partenaire, il faudrait déjà que je devienne partenaire. Pour devenir partenaire sur Twitch, il faudrait que vous soyez plus de 75 à regarder ce live. Donc ça va être compliqué. Comprenez-moi. Là, par contre, une fois qu'on aura atteint ce cap-là, je pourrais être partenariat Twitch, ce qui me permettra d'avoir tout le temps la possibilité de réduire la qualité du Twitch. Alors, on ferme tout. Voilà. Clouc, 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 clouc. Ok. Maintenant. On peut même fermer, non? C'est pas mal ça, comme ça. Ok. Là, le but, ça va être de monter juste comme ça.
histoire de cacher les poteaux. Bien sûr, faut que je fasse ça bien. Sinon, ça ne marche pas. Il faut donner cette impression de hauteur. Je sais pas comment ça va se finir, ce machin. A plus tard, Luchan. Hop. Voilà. Hop. Je vois pas ce que je peux faire de mieux. Hop. Tac, tac, tac. Ça va pas l'air trop dégueu, hein. Essayons. Alors. Je voudrais que tu lances la machine. Vas-y, on va faire des tests. Vas-y, je suis dedans. Je vais voir ce que ça donne. Ok, déjà, on part dans le sens là. Donc, où est-ce que je vais pouvoir mettre des flammes? C'est pas mal avec le petit château en fond, là. C'est pas dégueu, déjà. Petit côté sympa. Les vieux. Tu peux les appeler les vieux, là. Alors. On prend de la vitesse. Waouh, waouh, waouh. On quitte le château. On passe sur le pont. Et là, il faut des flammes. Et là, pcha, pcha, des flammes, des flammes, des flammes, plein de flammes. Ouais, ouais, je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il faut qu'on mette du feu partout. Ça va être bien rigolo, là. Et voilà. Ok, nickel. On va faire ça. Très bien, très bien. Je valide cette attraction. Qu'en pensez-vous? Je la valide. Elle ouvre ses portes. C'est merveilleux. Amusez-vous, hein. Moi, pendant ce temps, je vais m'occuper du feu. Alors, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Je vais gérer ça. Nous sommes actuellement dans la grotte. Environnement. Effet. Où sont les lance-flammes? Ah. C'est déjà mieux. C'est beaucoup mieux. Moi, je trouve ça pas dégueu. Après, faut pas que les gens touchent. C'est sûr. J'espère qu'ils toucheront pas. Ah. Mais qu'est-ce que ceci? Ah, le feu dépasse. C'est embêtant. Il va falloir que je le cache un peu mieux. Ok. Attendez. Bah, on voit que ça crame un peu le toit. On va l'augmenter. Alors attendez, terrain. Hop là, plus de flammes. T'as vu ça? C'est de la magie. Hop, tac, tic, tac, pouf. On va faire un truc au-dessus là. On cachera un truc, un petit easter egg. C'est sympa ce que tu as créé. Oh, c'est pas compliqué, tu me diras. Est-ce que je peux rentrer dans les flammes de Doudoune? Non, pas du tout. Tu me laisses pas entrer. Bravo. Je te félicite, jeu. Ah, je peux plus aller aussi vite qu'avant? Que se passe-t-il? Alors. Ça va pas ici. Le terrain est pas ouf. Ah, le pain, on peut le texturer. Ah, on va tout créer en rocher. Ah, c'est déjà mieux, hein. Il y a un petit côté plus mine. Mine dégueu. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, je pense que vous avez compris. Ah merde, ça m'a encore sorti. Voilà. Tac tac. Repeins-moi tout ça, s'il te plaît. Ah, je suis encore sorti. Pas facile, hein. Pas facile de rester dans mes locaux. Ok. Très bien. Ah, j'ai tout transformé de pierre. D'accord, c'est un roc de pierre. Très bien. Bah, ça passe, hein. Moi je trouve que ça passe très bien. Hop là. Tac, comme ça les gens se diront, tiens, c'est bien décoré ici. Super, non? Moi je trouve ça cool. Je trouve ça très bien. Alors, bon maintenant il faut mettre du feu un peu plus. Hein, plus d'effet. Plus de fire. Un screnigneux. Effect, qu'est-ce que t'as en feu? Lance-flamme intermittent, c'est-à-dire. C'est carrément dangereux.
Mais c'est cool. Ok. On peut mettre quelques cracheurs de feu au pif comme ça. Ils vont avoir bien chaud, hein. Vous croyez qu'ils vont mourir? Ah oui, ils crament un peu quand même. Bon, c'est pas grave. On dira que c'est normal. Ah, des étincelles? Non, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Les tiges métalliques non plus, ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Des souffleurs de terre. Alors ça, comment je vais les mettre? Si je les mets au plafond. D'accord. Donc là, ça, il pleut de la poussière, c'est ça? Pas mal, ça. Mais on les voit un peu. C'est embêtant. Salut, Rebelle 4. Bonjour, ce jeu est dur à prendre en main pour quelqu'un qui a jamais joué. Ah oui, tout à fait. Il est pas facile du tout. Salut, Shelia. En déco, là-dedans, tu devrais mettre des squelettes ou des trucs dans le genre. Bonne idée, on pourrait essayer. Bienvenue, en tout cas, sur le chat. J'aurai plus tard, Camus. Ok, pourquoi ça bug trop? Désolé. Désolé pour toi. On va essayer. Hein. Bon, je découvre encore. Vous savez, c'est un jeu que j'ai depuis longtemps. Mais j'y joue assez peu. Bon, là, ils auront pas peur. Ils auront pas peur. Des squelettes, tu m'as dit. Je me demande si j'en ai. Qu'est-ce que je pourrais avoir? J'ai pas grand-chose. C'est ça qui m'embête. J'ai pas l'impression qu'on nous aide beaucoup là-dedans. Ah, attendez. Statue? Non. Automate. Dans les automates, on aurait peut-être quelque chose qui fait peur, non? Une scie circulaire. Ça fait peur? Non, je pense pas. J'ai pas de squelette. J'ai rien. Ah, je pourrais mettre une sorcière. Je peux mettre une sorcière. Attendez. Bon, c'est pas ouf une sorcière, j'avoue. Mais au moins, c'est mieux que rien. Après, c'est pas. Si je réduis cette zone-là. Ah, je voulais vraiment pas faire ça en vrai. Je peux pas construire plus. Ouais, je peux pas déposer la sorcière dedans. Ah, peut-être là. Si j'arrive à... ici. Et là, je stabilise le sol. Non, pas aplanir, raboter. Non, pas raboter. C'est pas trop dégueu, ça, non? Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, quoique, je peux mettre quelque chose, là. Un vieux i7 en 3ème génération, ça passe le jeu? Ouais, ça passera. Ça passera large. Après, le jeu est assez gourmand, c'est vrai. Si tu cherches le jeu, tu l'as dans Instant Gaming en dessous. Tu vas chez Instant Gaming, tu auras sûrement moins cher en plus. Qu'est-ce que c'est que ce pic dégueulasse? Mais le jeu, ça m'étonnerait qu'il... ça m'étonnerait pas qu'il fonctionne, surtout avec un i7. Il devrait pas y avoir de soucis. La 3ème génération de chez Intel était pas dégueu du tout. Et où ma sorcière? Elle est là. Mais toute petite aussi! Ah, quoique, mais ça marche. Ça marche! Ça pourrait faire peur. Je ne sais pas. Je ne sais pas où. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, genre, elle vole! Pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça n'ira pas. Non, ça n'ira pas non plus. Nom de Dieu. Une trappe? Ou je la mets dedans? Non, ça marchera pas. Ça ne marchera pas. Un tonneau, des lampes. Je cherche ce que je pourrais mettre avec. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça marche, hein, non? Ça marche pas. Ça marche pas. Ah, je saurais pas quoi mettre d'autre. J'ai pas de squelette, vous voyez? C'est ça le problème avec ce jeu, c'est qu'il manque des éléments. Après, il faut les télécharger sur Steam. Il faut reconnaître que c'est un peu embêtant. Merci. Pardon des mages. Pas de soucis, rebelle. Aucun souci. Mais bon, là, je suis en mode créatif, hein, parce que le mode campagne, c'est une horreur, hein, clairement. Clairement, clairement. Par contre, je suis pas d'accord sur un truc, là. Ils m'ont remis le terrain comme je veux pas. Je veux de la pierre. Donnez-moi de la pierre. J'aime la pierre. Ah, ok. Tac, 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 tac. Ce qu'on est mieux. D'accord, ça, c'est fait. Ici, on durcit ça. Là aussi, on transforme ça en caverne. Tatatin, la sorcière, elle est là. Ok.
Eh ben écoutez, c'est pas trop dégueu. Ça commence à prendre de la gueule. C'est important de faire des montagnes en vrai. Hein. C'est important. Je pourrais même les lier. Ah mais non, ça... Ah quoique. Peut-être pas les lier, mais essayer de créer une surface qui les rejoigne. Ça va être compliqué. Ça bug plus? Ah là là là, mon pauvre Camus. Pauvre Camus, je suis désolé. Ah, j'avais fait ça, j'avais mis mon nom et tout. Non. Ah, il faudrait que je mette une image. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme image? Ah, j'ai pas de dossier, j'ai rien. Ah, j'ai rien. Je peux même pas mettre un nom. J'ai que des JPEG, il faudrait que je télécharge un truc. Planet Coaster. Bon, pour l'instant, ce sera Planet Coaster. Ou alors, est-ce que je peux changer vidéo? Je peux mettre une vidéo! Waouh! Je vais mettre des écrans! Ah non, ça fait pirate. Non. Protein! Merci, Jer18, qui follow la chaîne, bienvenue à toi. Pirate? Mais c'est stylé cette vidéo là, je savais pas qu'on pouvait faire ça, putain. Incroyable. Space, pirate. Mais j'ai rien de chevalier? Spooky, c'est quoi Spooky? Oh, d'accord. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal du tout. Vous savez, les gens, ils arrivent, ils ont peur. Non, ça ne marche pas. Je trouve que ça marche pas. Ah, ouais. On va mettre ça et on va en cacher une des créatures comme ça. Voilà. Comme ça, les gens, ils arrivent, ils ont un écran géant direct. C'est grand, en fait. Ah ouais, c'est hyper grand, hein. C'est hyper grand. Et je commence à avoir des baisses de FPS. Je crois qu'il y a beaucoup d'objets. Il y a une petite baisse de FPS. Je suis passé de 80 à 40 quand même. Hein. Je tiens à le dire. Voir c'est peut-être les effets de lumière, je sais pas. Si je me mets là. Ouais, c'est carrément le village. Faut que je me rapproche des trucs. Si je me mets comme ça. Ah ouais. Grosse baisse de frame. Hein. Préparez-vous quand même. Hein. C'est vrai que dès que vous mettez un peu beaucoup d'objets, là je descends vite. Hein. Il y a tellement de trucs à afficher. Même la GTX 1070 Ti, elle galère un peu. Bon, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Ah la vache. Ok. Donc là, il va falloir que je referme ici. De nombreux visiteurs ont soif. Mais qui boivent? Ils veulent boire, on va leur donner à boire. On va leur donner des trucs à boisson comme ça. Attends, tourne-toi comme ça. Voilà. Nickel. Vous voulez pas vous tourner dans le bon sens, les enfants? Ça ne marche pas comme je... Voilà. Hydratez-vous. Reluchan. Pourtant, t'as du bon matos. Ah ouais, j'ai du bon matos. Mais tu sais, je stream en plus, hein, donc ça consomme un peu. Je stream, je vous renvoie. Et encore, là, j'ai du calcul, j'ai du précalculage en 1080p. L'écran, il est énorme. Juste pour vous montrer la taille de l'écran, voilà. Donc c'est pas facile non plus. Et on essaie de faire ce qu'on peut. Ok. Bon, je tourne à 50 FPS, ça va encore. Ça va, il n'y a plus dégueu. Hein. Il y a de la couleur, c'est bien. Ça commence à avoir de la gueule. Hein. Sincèrement, je l'aime bien. Bon, celle-là, du coup. Ah, ça, c'est K2000. C'est pas celle-là que je voulais essayer. C'est elle que je voulais réessayer, du coup. Ah vas-y, montre-moi de nuit. Ah merde, ça se rallume. Fais chier. Ok. Là, on n'a rien touché. C'est déjà un peu plus impressionnant. On voit les flammes déjà dedans. Alors, ici. Ok. Pour l'instant, on crame pas. Bon, il y a un petit... Il vole un peu, le machin. Ok. Très bien. Là, on crame un peu. Ok. Tout va bien, tout va bien. La sorcière, on la voit trop peu en vrai. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Ce que je voulais faire, c'était fermer cet endroit. En fait, le château, je pourrais pas le fermer comme je voudrais. Donc, ce qu'on va faire, on va le fermer. Alors, s'il veut bien. Tu peux aller plus vite. Intensité.
Vas-y à 100%. Vas-y, Makai. C'est bien, continue. Là, je te demande d'y aller. T'y vas. Hop, on ferme ça. Hop, donc toute cette partie-là. Comme ça, on sera bien fermé. Allez, hop, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. On étire, on étire, on étire, on étire. Pas facile, hein? Mais en fait, ça coûte énormément au processeur. Ça, c'est surtout le pros qui prend dans la tronche. Voilà. On va dire que ça, c'est fait. Ok? On va même faire un gros truc, là. Ok, comme ça. Tac. Et là, on va un peu plus cacher. Même si ici, pour l'instant, ça ira. Alright. Pas dégueu. Pas dégueu, pas dégueu, pas dégueu. C'est stylé. Merci. Du coup, on va teindre tout ça. On va mettre de la roche. Parce que ici, hein, ok. Un peu plus naturel la roche. Pas autant, pas autant. Calme-toi. La densité doit être un peu plus légère. Ok. On va remettre un peu de d'herbe. Faut pas non plus bourrer. Hein. Faut qu'il y ait un côté peut-être naturel, non? Quoique, peut-être le rayon est un peu grand. Voilà. Alors, imaginons que l'intensité, là, on la mette à fond comme ça. J'ai un soldat qui rentre un peu dans la roche, là. Ça ne va pas du tout. J'étais en train de l'observer en mode, qu'est-ce qu'il fait? Ok. Ça, c'est très bien. Maintenant, on va creuser. On va creuser de ouf. Hein. Et ici, on va mettre une grosse bébête. Allez, creuse. Hein. Pas creuser un peu plus vite. Application auto. Non, c'est bon. À côté de l'entrée, là, hop, du château. Comme ça marchera bien. Et du coup, je voudrais mettre déjà dedans, voir si je mets la grosse bébête. Alors, hop, 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 environnement. Environnement, forme artistique, non. Effets spéciaux, non. Ah, peut-être dans effets spéciaux? Non, c'est pas dans effets spéciaux. Ah, vache. Excusez-moi, je douille en fait, parce que j'ai trop mal au genou. Ah, ça doit être là-dedans. Vous allez voir la marionnette de monstre qu'on a vue tout à l'heure, non? Ah! Ah, mais il est tout petit! Nom de Dieu, je m'attendais à quelque chose d'énorme! C'est ridicule! Quoique. Je croyais qu'il a la bonne taille, là? Juste comme ça, hein. Là, il retourne dans l'eau. Comme ça. Vas-y, je te pose là. Et lâche, là, il sort de l'eau. Ok. Ça marche bien, là. Ça marche bien, je pense. Ouais, maintenant, il faut que je remplisse. Alors, allez, terrain, terrain. Oh, vas-y, Makai. Eau sale, non? Eau stagnante, non? Eau agitée. Ah bah, tu peux y aller. Hein. Tu peux aller jusque ce niveau-là, je pense. Même un peu plus haut. Et là. Ça. Ça marche plutôt bien! Mais c'est pas de l'eau agitée, ça, pour moi. Hein. C'est pas ouf. Hein. Ah. Je me suis abonné au lag. T'es abonné au lag. J'ai pensé à la place de la sorcière des nains avec des pioches, il y a. Ah, ça, il n'y a pas. Désolé. Excusez-moi, je lis pas beaucoup parce que je suis concentré sur ce que je fais. D'après ce que je vois, ça a l'air sympa pour le moment. C'est très sympa! C'est très sympa. Regardez-moi ce monstre. Il se cache bien en plus, quoi. Regardez comme ça fait peur de haut. Vas-y, vas-y, ça. Là, t'es là, t'es tranquille. T'es avec ta nénette et tout. Tu bois un coup. Et là. Ah oh, nom de Dieu! Et les gens ont peur. Ça fait peur. Oui, monsieur, madame. Ça fait peur. Alors, du coup, là, ce qu'on va faire, nous. On va transformer cette partie-là. Largeur. Longueur. Ah ouais, on va passer au-dessus de l'eau comme ça. C'est pas stylé ça. C'est trop stylé.
Ok. Bah, déjà, c'est pas mal. C'est même très bien. Et on va remettre une autre, hein, vous inquiétez pas. Alors, tac. Ok. Tac. Très bien. On a déjà un petit circuit. La diapo te... Ah, la diapo. Je viens de comprendre, en fait. La diapo te plaît. Moi aussi, je lag, c'est chiant. Mais quelle vision d'horreur. Un monstre marin. Ouais. Il y en a des comme ça, ou... À la Réunion. Ah, la belle bête. Ah, la belle bête, t'as pas envie de la voir. Ah, t'as pas envie de la voir. Mais là, je trouve pas que l'eau, elle soit agitée de ouf. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre avec? Avec la bête, à votre avis. Un requin comme ça? Combat, fighting, fighting, je te mangeais. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Le requin n'est pas posé, hein, ne vous inquiétez pas. Cargaison. Ah si, genre, je mets des cargaisons comme ça, là. Vous voyez? Un peu comme ça. Hop. Tac. On va mettre des chariots derrière. Hop, tac. On va trouver. Hein. Je suis en train de créer des trucs, vous inquiétez pas. Non, ça c'est des trucs à pétrole, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Courage à ceux qui lag, je vous soutiens. Ah mais pauvre, je suis désolé, hein. En plus, le jeu, comme il doit consommer pas mal, c'est peut-être... Non, je pense pas, parce que la vidéo, c'est de 120p 30 images. Je suis désolé, hein, pour ceux qui peuvent pas regarder le live tranquille. Là, je pourrais vraiment rien faire de mon côté, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Déjection de dragon? Ah non, je peux pas mettre ça. Je pourrais mettre un dragon. Par la suite. Et comme on a déjà un gros monstre pas loin... je regarde, hein, ce qu'on a... Oh, un bateau! Un beau bateau, de qui plus est. On pourrait le mettre, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, ça pourrait faire un fight, non? Un fight bateau Kraken? Vous croyez que ça marcherait? Vous êtes content de ça? Salut le Riser, comment vas-tu? Aucun lago aussi. Ah, c'est votre co qui fait ça, ça ne t'attaque pas pour toi. D'accord. Ah oui, c'est complètement leur co, hein, malheureusement. C'est dommage, mais là je peux rien changer de mon côté, quoi. On va mettre un. On va faire un Kraken versus bateau à la Sea of Thief. Hop, le bateau là. Et le Kraken, du coup, on va juste le pivoter. Acceptes-tu de pivoter, mon Kraken? Alors s'il veut bien. Hop, comme ça. Ça marche! Ça marche plutôt bien, comme ça les gens ils sont aux premières, ils voient tout, c'est merveilleux, ça marche bien moi je pense. Allez maintenant on met des trucs sur le bateau. Alors, la ligne de flottaison est pas trop dégueu hein, je pense, quoique je pourrais peut-être un peu l'enfoncer. Ouais, ah quoique non, je suis quand même limite hein. À moins que, ah peut-être plus comme ça, voilà, tac tac tac. Un dragon? Un dragon, vous avez dit? Ouais, j'ai déjà un dragon. Ok, nickel. Bon, le Kraken, ça marche. Maintenant, environnement, pirate. Pirate. Élément téléchargeable, pas du tout. Thème. Moi, les pirates. Que des trucs de pirates. Voilà, super. Des canons. Ah, ça, c'est pas mal, ça. On va mettre des canons. Comme ça, j'en mets deux de côté. Ah, il faut pas qu'ils tirent de l'autre côté. Est-ce que j'aurais des canons qui tirent pas? Je pense pas. Je sais pas ce que je vais mettre. Hein. Je sais pas comment je vais faire.
Alors ça va pas du tout. Ok, comme ça. Nickel. Moi depuis alors, un taille versus innocence d'un bateau. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Schizo? Moi depuis 3 jours, lorsque je vais sur les streams Twitch à plusieurs centaines de viewers, ça freeze, l'image reste bloquée. Donc ça vient de Twitch, on dirait. Ah, c'est possible aussi. Hein. Mais eux, c'est beaucoup un problème de connexion, surtout. Et c'est relou. Ok, là, on n'est pas trop mal. On va lui mettre des loupiottes hein, à notre bateau, déjà. Ah, il nous faut des personnages pirates, aussi. Est-ce qu'on a des personnages pirates? Ah, pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Le Musaï, là. Pirate inactif. Ah, ça serait top. Le mec, genre, il... C'est la cool douce. Ça, c'est quoi? C'est le capitaine, ça? Pareil, capitaine inactif, c'est ça? On peut le mettre là, en haut. Vas-y. Attends, comment je vais le mettre? Ah, j'étais trop loin. Comme ça. Hop là. Ok, c'est pas trop dégueu, là. Pas trop dégueu. Normalement, de loin, ça commence à ressembler à quelque chose. Ok. Nickel. J'ai pas d'autres pirates. Vous voyez, je suis un peu limité niveau pirate en vrai. On passe d'un truc de... classique. On passe vraiment d'un truc tout classique en mode... regardez comme il est beau mon truc. À Pirate Land. Hop, tac. On va mettre ça comme ça. Ah, le souci du détail, hein, faut bien que ça marche aussi. Hein. Faut que ça matche le truc. Hein. On décore. La Réunion, ça va être beau là-bas. Ça va être magnifique, la Réunion. La Réunion, c'est pas forcément les belles saisons, je crois, là, si. Ah, faut demander à Luchan. Il me semble qu'ils ont eu des périodes de cyclone. Là, c'était un peu relou. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre, là? Ah, ça, c'est pas mal. Comme ça. J'aime bien, hein, ce genre d'arche, là. Ça marche bien, je trouve. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs pirates, donc ça fonctionne. Ça fonctionne même plutôt bien. Ok. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? On pourrait même lier à ça. Ça marche très bien! On peut faire des constructions avec d'autres trucs comme ça. Mais je suis content! Ça marche nickel! Ah, on découvre encore, les enfants. On découvre encore. Est-ce qu'on fait le mec surpris qui voit un kraken? Genre là-bas. Ok. Alors, est-ce qu'on peut essayer de cacher un peu ton truc? Tout petit peu, hein, genre léger. Comme ça. Ça marche bien. Ça marche bien. Ah, un kraken. Que faire? Que nenni? Tirer dessus? Ok. Moi, je trouve ça pas mal. Commence à avoir l'hiver, il y a juste beaucoup de vent. Vous commencez à être en hiver, Luchan? Ok. Beaucoup de vent, mais la saison cyclonique est terminée. Bon, c'est cool. Ok. Bon, vous en pensez quoi? C'est pas trop dégueu, là, déjà. On commence, hein, on commence, mais... On va réussir à faire quelque chose de bien, je pense. Non. Ça me fait trop chier parce que j'ai vraiment mal au... Je peux mettre des tentacules! Je ne savais pas! C'est encore mieux. Alors, si je mets des tentacules... Genre, si je la mets là... Ça marche de ouf. Ça marche de ouf. Ah, vous en pensez quoi des tentacules? Ça marche bien, là. Bon, on va essayer d'en mettre pas mal, mais... Attendez, on va le mettre où l'autre? On va le mettre là. Non, c'est dans le sens ça que je veux. Voilà. Voilà. On va le tourner légèrement comme ça. Légèrement comme ça. Et voilà! Pas trop mal ce truc là, les tentacules qui sortent, c'est le kraken!
Moi, je trouve que ça marche bien. Hein. Fait le truc, il est énorme. Ajoute des tentacules dans l'eau. Mais c'est fait. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Hellraiser? C'est pas mal. Ah, le bateau, il est mal barré. Là, le bateau, il est mal barré. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Des torches. Ok. Maintenant, faut que j'éclaire le bateau pour la nuit. Même s'il est déjà légèrement éclairé. Statue de perroquet. Non, ça marchera pas. Ah oui, ça peut marcher. Lui, on va le mettre ici. Comme s'il tirait sur les tentacules. Et je vais en mettre un en haut. Si je peux. Je crois que je peux. Non, ça marchera pas si je le cache là. Ça marchera pas. Ah, ça aurait pu être drôle que les tentacules puissent prendre un truc dans les mains, vous voyez, genre un débris de bateau. Comme ça. Et genre l'autre là-bas, comme ça. Ah, ça marche pas mal en fait. Alors attendez, maintenant, on va faire ça un peu plus réaliste. Pierre, herbe. J'ai pas sable. Sérieux? Je suis déçu. Pierre. J'ai qu'un effet pierre. C'est pas ouf. Non? Ah ouais, c'est pas ouf du tout, là. Ça fait pas effet sable. Vous avez rien d'autre? On va essayer de mettre ça. Est-ce que ça vous fait un effet sable pour vous? Ouais, on va dire que ça fait. Ça marche. On va dire que ça match. Allez, go. Ok, tac, tac, tac. Non, ça marche pas du tout. Franchement, c'est pas ouf du tout. Putain, j'ai vraiment rien. J'ai un peu deg. C'est cool les tentacules. Ah, génial ce lac. Un vrai lac fantôme. Ouais, il est cool. Moi, je l'aime bien. Hein. Je commence à l'apprécier. Ah, je suis désolé, j'ai mal au genou de ouf. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Peut-être le temps. Temps pourri. Ah, ça marche bien en vrai. Ça marche bien. Il faudrait que je cache un truc dedans. Enfin, un trésor. Ça marcherait un trésor. Bon, on va faire ça. Allez. Que je peux mettre là? Genre dedans. Non, je peux pas le mettre dedans. Ah, genre ce qui serait top. Mettre comme ça. Non, ça marchera pas. Tout trésor a été pillé, naturellement. On peut en mettre un sur le bateau. On peut même en mettre deux comme ça. Donc quoi, les mecs, ils sont blindés. Mais ils sont attaqués par un kraken. Donc là, c'est la merde. Les mecs sont pas bien. Clôture en corde. Ah, puis je pourrais même mettre ça, là, comme ça. Non, ça marche pas. On va essayer de faire des trucs qui fonctionnent. Alors, Schizo, c'est cool tes tentacules. Si Cartman passe par là, il va te bouffer ton trésor. Ouais, pas faux. Bon courage, Eran, pour ton genou. Merci. Je sais pas ce que j'ai. C'est vrai que je sais pas ce que j'ai au genou. C'est chiant. Tac, 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 tac. Si je remets un ponton derrière comme ça. Il va pas dans l'eau lui aussi. Non, il va pas dans l'eau, ça marche pas. Ça ne marche pas du tout. On va essayer de faire comme ça. Hein. Ok. Ah, c'est des lampes que je voulais mettre. C'est des lampes. Alors, où est-ce que je vais pouvoir les mettre, ces lampes? Je peux même pas les mettre sur les ponts. Ouais, t'as vu? Je peux pas les mettre dessus. Ah, ça, c'est pas ouf, ça. Je peux pas les mettre sur les rambardes. On va faire comme si elles étaient attachées au bateau. Enfin, au mât. Vous voyez ce que je veux dire? On va essayer de gruger comme ça. Hop. Hop. Ça marche bien, ça marche bien, ça marche bien. On peut être fiers de nous. Ici, comme ça. Hop. En poser une là. Le but c'est qu'il soit max éclairé la nuit. Ok. Et lui, je vais lui en mettre une juste devant, histoire de voir si on peut voir la gueule du capitaine en pleine nuit. Ça pourrait être cool. N'empêche, c'est un peu stupide de mettre un gros bateau dans un lac. Ah ouais, mais tu veux que je le mette comment sinon? Tu veux que j'agrandisse le truc? Je fais la mer si tu veux. Hein. Moi je fais une mer, hein, y a pas de soucis. Hein.
Oui, il n'y a pas de souci, hein. On fait vraiment une plage et tout. Vamos à la playa. Hein. Par contre, c'est vraiment c'est le terrain. Je m'attendais vraiment à avoir du sable. Je suis vraiment déçu de pas en avoir. J'ai mis un peu de sable là, en plage. Ok. Si tu veux, on creuse encore. Hein. Je peux creuser. Hein. Si tu veux, on agrandit. Hein. Bon, il n'y a pas de souci, tu me dis. Hop, crevasser. On va creuser. Creusons. Vas-y, Makai. Peut-être faire un truc géant. Hein. Ah bah oui, mais là, ça marche plus. Là. Merde. Non, bon, j'ai niqué mon truc. Super. Alors, c'est pas grave. J'ai niqué mon plan là. On va supprimer la route. Alors attendez. En fait, on va ouvrir. On va ouvrir vers l'extérieur, vous voyez, comme si ça allait vraiment vers la mer. Vous voyez ce que je veux dire? On va essayer de créer un faux port. Je sais pas comment je vais faire. On va essayer. C'est une idée, hein. Ça peut fonctionner. De ouf en plus. Je suis sûr que ça peut fonctionner de ouf. Plusieurs machins. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, tac. Oui, c'est comme ça que ça s'enlève, ça. Ok. 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 Alright. Et maintenant, on creuse. Allez, c'est parti. Alors, tac, 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 terrain. Allez, creuse-moi ça. Ah, oh, vas-y, Je fais un énorme trou qui va arriver tout doucement. Hop. Tac, 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 je creuse. Hein. Mets un peu de brouillard sur le lac avant la répression du... Ouais, qui sort du lac. Ça va être dur de faire un brouillard. Hein. Je vais essayer, hein, mais on va essayer, on va essayer. Ah, ça m'a niqué toute l'eau. Je pensais que ça coulerait, ça m'a niqué toute l'eau. Pourquoi ça m'a niqué toute l'eau d'ailleurs? C'est trop bizarre cette histoire. Ah, c'est peut-être une trop grande surface d'eau, vous pensez? Non. Ah, je serais deg si on peut pas faire un gros truc d'eau. On va essayer. Mets-moi de l'eau, s'il te plaît. Je peux plus mettre d'eau. C'est pas vrai. Non. C'est buggé. Je peux pas mettre d'eau ici. C'est trop grand. C'est trop... Putain, c'est trop... C'est beaucoup trop grand. Je peux pas mettre autant d'eau. Je pense que le jeu dit naturellement non. Ah, je suis dégoûté. Ok, on va essayer de tout aplanir. Oui, comme ça. Voilà, on aplanit. On fait ça. Ok, maintenant on va refermer. Ah, faut pas que je fasse... En fait, je peux mettre de l'eau, mais faut pas que ça soit trop grand, quoi. Surtout ça. Ok. Et donc là maintenant, on va remettre de l'eau. Je crois que là il veut bien. Ah, même plus haut? Non, tu veux pas plus haut. Ça marche ou pas là? Il sort un peu plus de l'eau quand même. Là, on le voit là maintenant. Il faudrait que ça soit un tout petit peu plus haut. Faut que j'augmente la taille du truc en fait. Donc, c'est là qu'il faut que j'augmente. Putain, mais quand on... Non, c'est pas... Oh, putain.
Ouais, donc on peut pas brain le jeu, on peut pas lui dire cool là-bas. Ah là là. Ok. Ok, d'accord. On va mettre l'eau. Voilà, c'est le max. Et là, je peux pas faire mieux que ça. Mais c'est bien, là. Là, c'est bien. Ok. Ça fonctionne. Quoique, aussi, on peut dire que ça fonctionne, en vrai. Aussi, on peut dire que ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez. Hop là. Ça, non, ça marche pas. Ça marche pas. Et le ponton, il y a peut-être moyen. Peut-être moyen que je fasse quelque chose. Attendez. Hop. Comment je vais faire? Comme ça. Ok. Je vais en mettre un comme ça. Je vais en mettre deux, voilà. Celui-là, je le prends, je le déplace. Ok. Donc là, le but, ça va être de créer un faux ponton. Ok, vous croyez que ça marche ça? On va dire que ça fait une sorte de marche, non? Au moins que j'ai des escaliers. J'ai tenté de trouver un truc. Il y a peut-être moyen. Hein. C'est pas trop dégueu. C'est pas ouf, d'accord? Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Et là-dessus, nous, ce qu'on va mettre. On va vraiment trouver quelque chose. Hein. Petite échelle. Ah, peut-être que l'échelle, ça marchait en vrai. Longue planche en bois. Ah, des planches! Bien joué, ça. Ça, c'est pas bête. Ok. Tac. On va prendre les planches en bois. On va les relever. Les axer comme on veut. Voilà, par exemple. Et ça va faire une sorte de ponton qui a fonctionné, je vous le dis. Ok. Tac. Ok. Tac. Par contre, au niveau de l'axe, du coup, il faut vraiment que je touche. Voilà. Eh, ça marche plutôt pas d'eau. Eh, c'est pas dégueu. C'est super ce que tu es en train de faire. Merci. Ah. Alors, tac, tac, tac. Je suis plutôt fier de moi, là. Ça marche bien. Alors, tac, on la met là, la planche. On va encore l'axer. Merde. Comme ça. Ok. Ok. Alors, légèrement le pivoter. Voilà. Comme ça. Et hop. Et là, ça marche, non? On va dire que les gens descendent comme ça. Moi, je trouve que ça marche. Ça match. C'est bon. On est content. Alors, elle, l'encre, là. On va la déplacer. Alors, hop. Tac. On va dire qu'elle a enfoncé dans le sol, voilà. Ok, nickel. On s'en sort pas trop mal. On s'en sort vraiment bien. Moi, je trouve que c'est vraiment bien le kraken dans l'eau, comme ça. Et là, il y a un peu plus d'espace. Comme un gros aquarium. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On est à combien, là? 1h30 de live. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'ai plus trop d'idées, là, pour l'instant. Je vous remercie d'être venu regarder ce live. C'est stylé avec les planches, merci Camus. J'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, ça sera rediffusé sur la chaîne Eran Live. Merci aux gens qui ont follow aujourd'hui, à Manon et à Jer18. Merci à vous. A très bientôt pour un nouveau live, sûrement sur The Witcher 3. La suite, on continuera. Je vous rappelle que tous les épisodes de The Witcher 3 sont déjà disponibles sur la chaîne Eran Live. N'hésitez pas à les suivre.
Je vous fais des bisous. Encore merci à vous pour la chaîne YouTube principale et de venir sur la chaîne Twitch. À bientôt. Salut. Et salut Sissou. Qui arrive à la fin.